Salut les petits Neko, donc c'est bon, j'ai reçu le colis de la Mistinguette. Hop, donc le voilà bien emballé. Donc c'est parti pour le déballage. On a l'obi dessus. On a la tête de la Mistinguette. On a la petite boîte. J'ai le kit au complet, donc j'ai plus qu'à tout nettoyer, bien reponcer avant d'attaquer du coup les sculptes et les couleurs. Donc c'est ici, je vais faire un petit test de couleur de Tamiya coloré. Donc ici c'est le TS54, donc c'est une couleur d'un bleu un peu métallisé. Donc je vais tester sur un Obitsu test, donc ça c'est l'ancien obi de Meiko. Donc je vais tester dessus. Donc là j'ai poncé un peu l'arrière pour voir si ça fonctionne mieux sur la partie poncée ou la partie qui n'est pas poncée et qui est restée un peu de Tamiya. Et sur les parties dures aussi, donc je vais tester tout ça, voir la couleur que ça donne. Et après remettre une couche de Tamiya, mais incolore, donc le TS80, pour voir si ça matifie bien et le résultat de la couleur. Donc on va tester ça. Donc j'ai protégé toute ma zone là pour pouvoir tester ça. Parce que comme j'ai pas de jardin, je fais ça en intérieur, donc c'est pas top top, mais bon. On va tester. Donc je soutiens. Je vais tester la couleur. En tout cas, la couleur a l'air super belle. Hop, on va laisser sécher une première couche. On va voir ce que ça donne. Et on se dit à tout de suite. Mes petits Neko, j'espère que vous allez toujours bien. Donc là, je nettoyais l'obi de Raven Plume Doll. Donc on va faire les petites ongles et les pics au niveau des coudes. Donc j'ai en parallèle fait des tests de couleurs pour voir avec Raven quelle couleur nous allons choisir. Donc j'ai utilisé mon obi test, donc Mitsuko se transforme en Schtroumpf. Mais bon, de toute façon, je devais changer sa déco et compagnie. Donc, c'est cette couleur-ci qu'elle a choisie. Donc, c'est un beau bleu, le French Blue TS10 de Tamiya. Oups, j'ai fait tomber ma petite bombe, mais c'est pas grave. Du coup, Goliath y a faim. Et la deuxième couleur, c'était celle-ci, mais elle est trop foncée. Celle-ci, c'est la couleur Light Metallic Blue TS54. Mais on va partir du coup sur cette couleur-ci. Mais bon, pour le moment, on va d'abord faire les petites ongles. Donc ça va être vraiment très 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 minutieux à faire. Donc pareil, je prends toujours ma pâte epoxy. Donc j'en prends vraiment une très très petite quantité. Car vraiment, on va y aller au compte-gouttes. Donc ici, j'ai pris deux toutes petites
petites billes. Donc on va les mélanger ensemble. Donc faites pas attention, j'ai un pansement au niveau de mon doigt parce qu'il y a Goliath qui m'a griffé assez profondément. Et l'autre coup c'était Tankole qui m'a, non, Vorax qui m'a bouffé le doigt. Donc on voit encore la cicatrice, mais l'intérieur c'est tellement profond que c'est pas encore bien cicatrisé. Donc j'ai encore des fois un petit peu mal. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai ma toute petite boule de pâte. On va vraiment y aller petit à petit. Donc elle veut des toutes petites ongles. Donc je vais commencer par cette main-ci. Oui. Je vais essayer de zoomer. Voilà, fais le focus. Oui, c'est bien. Donc, vraiment un tout petit peu de pâte. Hop. Et on va essayer de faire une toute petite griffe. On va attaquer les coudes. Donc partie A, partie B, mélange bien. Et on va faire ici, hop, des petits pics.
Salut mes petits Neko, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va attaquer le sculpte au niveau de la face plate. Donc je vais faire trois cornes. Donc une petite ici centrale et deux plus grandes là, ici de chaque côté de la tête. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est le mécanisme des yeux. Donc j'ai peint en noir avec les eyes. Voilà, que j'ai fait. Et ensuite, les paupières. Donc voilà, des paupières bleu nuit avec des cils argentés. Donc c'est parti. Donc ma part A. Donc là, j'en prends. Rectification, donc une petite corne toute fine, donc qui est bien raccordée à la courbure du nez, comme ça, pour vraiment que c'est bien homogène. Donc là, elle n'est pas encore sèche, elle est encore en train de sécher. On peut voir que je peux encore facilement la bouger. Donc là, je vais faire une deuxième corne et après, je vais puis toucher. Je peux pas faire les trois d'un coup parce que comme la pâte, même si après elle durcit, qu'elle est plus dure à travailler, il faut qu'elle ait bien sèche quand même, parce qu'avec le poids de la corne, si je laisse comme ça, après elle va retomber comme ça et elle va se recoller sur la faceplate. Donc je dois la mettre dans une position ben, droite pour que la corne elle reste bien droite. Donc voilà, allez, on va reprendre une petite portion. Et aussi pendant, quand il me reste de la poxy, avant qu'elle est totalement dure, en parallèle je fais mon petit gnome. Donc ici il prend vie. Merde, j'ai écrasé son oreille que je viens de faire. Donc voilà, c'est tous des restes de pâte époxy que j'utilise pour faire ce petit bonhomme. Donc là, j'ai mis sur une tête de poupée toute moche que j'ai entièrement resculptée. Donc voilà ce que ça donne. Mon petit gnome, il prend forme petit à petit. Donc j'utilise des restes d'époxy justement pour le mettre en forme petit à petit. Donc voilà. À chaque morceau de petit reste d'apostille, pouf, j'en mets un petit bout, j'en mets un petit bout, j'en mets un petit bout, et à la fin, bah, ça donne ça. Donc j'ai hâte de le voir fini, j'ai encore son corps à faire. Ça va me prendre un peu de temps. Mais bon, allez, on recommence. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc moi ça va, donc c'est séché, donc les petites cornes sont bien dures comme vous pouvez le voir, ça ne bouge plus, c'est solide. Donc je peux enfin attaquer à la troisième corne qui se trouve là. Donc j'ai faussé la première oreille, donc qui est là. Donc elle est bien, elle est nickel, elle est bien séchée. Et on pourra faire l'autre oreille avant d'attaquer les cornes qui vont se trouver ici.
Donc c'est parti mon kiki, avec joie et bonne humeur, on continue tout ça. Donc toujours la même chose, pâte epoxy, pâte A, pâte B, on mélange tout et hop, c'est parti mon kiki, allez. On continue l'oreille, donc papate, et on recommence. On est le 12 juin et on va faire du coup l'arrière de la tête, les autres cornes. Donc comme vous le voyez, je ne sais plus parler. Comme vous le voyez, j'ai fait un petit bandeau pour avoir mes repères, pour avoir les cornes bien alignées. Donc voilà ce que ça donne. Donc à partir de cette corne ici, hop, on va faire 1, 2, 3 et 4 cornes. Donc voilà. Donc ça sera des cornes aimantées, avec des petits aimants comme ceci. Voilà. Alors, je vais faire des points de repère au niveau de la faceplate, au niveau de l'arrière de la tête, avec un crayon aquarellable. Et ensuite, je vais mettre du papier cellophane pour protéger, pour empêcher la pâte epoxy d'adhérer dessus, parce que sinon, une fois que c'est dur, on ne peut plus l'enlever. Donc voilà. Donc on va faire les repères. Donc je pense faire une corne ici. Donc là. Une ici. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Donc je protège la tête avec un essuie-main. Voilà, je fais le focus. Voilà. Donc une corne ici, une autre là. Amber, tu files? Non! Allez! Il y a mon chat qui arrête pas d'enquiquiner la femelle et il est casse-couille. Enfin bref. Donc voilà, donc on a une, deux. La troisième corne, je pense la faire au-dessus de l'oreille, ici. Donc, voilà. Et après là, les repères, de toute façon, ils vont partir avec un coup de chiffon humide. Hop, ça va s'en aller. Donc ça, c'est bien. Et la dernière, ici. Donc elle aura une couronne de cornes, voilà, tout simplement. En plus, ça permet de maintenir un peu la tête. Donc voilà, j'ai mes points de repère. Donc là, je peux retirer le masking tape. Voilà. Ça abîme pas la faceplate, hein. C'est juste, c'est collant légèrement, mais ça va. Hop. Donc ça, je la mets de côté. Ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Je peux dézoomer un petit peu. Donc voilà, j'ai mes points de repère. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc là, on va mettre du cellophane. Donc, du papier fraîcheur. Donc j'en prends un petit morceau. Donc voilà, ma tête, elle est protégée par le cellophane et je vais commencer celle-ci.